Oh, d'accord. Ça fait plus en Regardez, fait. Oui, non, t'as continué. Bonjour, chers collègues étudiants. Bonjour, madame. Merci pour cette parole donnée. Oui, monsieur. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le changement climatique et biodiversité en Afrique de l'Ouest. Présenté par moi et M. Philippe Mufri. En sommaire, nous avons l'introduction, l'objectif, la biodiversité. Le changement climatique et biodiversité en Afrique de l'Ouest, quelques mesures prises pour une adaptation aux conditions climatiques et la conclusion. En introduction, l'Afrique de l'Ouest présente une végétation qui s'adapte parfaitement aux différentes zones climatiques. Les zones de végétation sont situées de manière presque parallèle et s'étendent de la mer côtière guinéenne, caractérisée par une forte pluviométrie tout au long de l'année. Aux zones plus sèches, comme les steppes du Sahel et le désert du Sahara au nord. Ce chapitre examine les différents types de végétation présents dans la zone étudiée, ainsi que la fragmentation des forêts denses et son impact sur la biodiversité. Il aborde également l'utilité de la télédétection satellitaire pour étudier les changements de couverture terrestre et quelques mesures prises pour une résilience et adaptation au changement climatique. En orientation générale, nous allons connaître les éventuels impacts du changement climatique sur la biodiversité en Afrique et les outils spécifiques ont montré l'importance économique de la biodiversité en Afrique, montrer l'état de la biodiversité ouest africaine, montrer l'impact du changement climatique sur la biodiversité et les aires protégées en Afrique de l'Ouest. Bon, pour le grand de la biodiversité, je vais laisser place à M. Wilfried pour. OK, merci beaucoup. Parlons de la biodiversité. La biodiversité désigne la variété et la quantité des organismes vivants dans un écosystème, qu'il soit exploité ou non par l'homme. Donc, la biodiversité est essentielle pour notre vie quotidienne parce qu'elle fournit des ressources vitales telles que l'oxygène, l'eau, la nourriture, les médicaments et de nombreux matériaux naturels. En Afrique de l'Ouest, on a de variétés d'écosystèmes, c'est-à-dire que 20,2% de la surface terrestre mondiale. Cette région aussi, c'est-à-dire que l'Afrique dispose de 119 régions écologiques terrestres et 93 régions écologiques d'eau douce ou de zones humides, abritant une biodiversité considérable et variée, avec un riche patrimoine, pardon, et des écosystèmes d'une importance mondiale. L'Afrique est également le berceau de nombreuses cultures vivrières, telles que le blé, l'orge, le millet, le sorgho, le teff, le café, le rooibos, le nébier et le palmier à huile. Selon l'économie de la biodiversité dans le cadre de l'agenda 2063 qui s'intitule L'Afrique que nous voulons. Nous avons
C'est-à-dire que cet agenda-là vise à créer une Afrique prospère grâce à une croissance inclusive et un développement durable en générant de matières durables, les ressources naturelles, y compris la biodiversité. L'objectif est de présenter et d'utiliser les ressources naturelles de manière durable, notamment les forêts, les rivières, les lacs, les ressources génétiques, les terres, les réserves de poissons et les écosystèmes côtiers et marins. Cela aussi implique de rétablir les niveaux de forêt et de couverture végétale de 1963, de mettre fin, pardon, à la dégradation et la désertification des terres, de gérer de manière durable toutes les terres agricoles sur le plan environnemental et social, et de réduire aussi la perte de biodiversité des habitats naturels d'au moins 90% dans les pays africains. Aussi, la biodiversité crée de nombreux débouchés. C'est-à-dire, la biodiversité économique peut générer des opportunités lucratives en exploitant les ressources biologiques de manière durable dans des secteurs tels que la pharmacie, la médecine, l'alimentation et les parfums. Ces marchés aussi peuvent rapporter des bénéfices considérables. De plus, cela peut indirectement aider l'Afrique à exploiter sa population jeune en faveur de sa croissance, en favorisant le développement des infrastructures et l'industrialisation accélérée. Pour parler du changement climatique et la biodiversité en Afrique de l'Ouest, je vais encore laisser la parole à mon frère, à nous. Le changement climatique et la biodiversité en Afrique de l'Ouest. En état, l'état actuel de la biodiversité en Afrique de l'Ouest. La végétation de l'Afrique de l'Ouest est relativement homogène en raison de sa topographie de basse altitude et est formée de bandes parallèles s'étendant du sud de la côte guinéenne jusqu'au désert du Sahara. Elle est divisée en différentes zones de végétation qui correspondent aux zones climatiques et qui sont caractérisées par différents types de végétation telles que la forêt, la brousse et la prairie. La classification de White, basée sur les modèles de distribution des espèces, identifie les zones originelles endémiques séparées par les zones de transition. Comme vous voyez sur cette carte, voici les zones de transition. Sont un peu plus en ici et plus là. Et puis voici les zones endémiques qui sont là. Ces zones endémiques, ce sont les zones où on peut dire que la faune et la flore ne poussent pas ailleurs, nulle part ailleurs. C'est seulement dans ces zones-là. C'est pour ça qu'on dit que les zones endémiques. Changement de la couverture terrestre d'après les équations par télédétection satellitaire. En résumé, les changements de couverture terrestre en Afrique de l'Ouest sont complexes et multiples, souvent associés au changement climatique et liés à la croissance démographique et à la culture intensive. Il est difficile de distinguer les effets des activités humaines de ceux résultant des conditions climatiques. Il y a peu d'informations disponibles sur les différents régionales et les raisons du changement à différentes échelles, le rythme et l'ampleur. Des sources d'imagerie par satellite telles que les images des DMS, SP, MODIS, ASTER et Landsat, ainsi que les données numériques sur la topographie, les sols et les zones protégées ont été utilisées pour comprendre les changements de couverture terrestre entre 1990 et 2000, ainsi que 2000 et 2005, principalement au Burkina Faso. Comme vous voyez ici, l'état envers la forêt, vert, clair-semé, c'est la forêt dégradée. Et en plan, c'est quand même la croissance belle. Comme vous voyez au Burkina Faso, la croissance belle s'est beaucoup accélérée, s'étendant presque sur la partie chauve végétation. Ça veut dire que depuis 1990 jusqu'en 2007, la croissance, la végétation a beaucoup diminué. Même chose au Ghana et en Côte d'Ivoire aussi. Impact du changement climatique sur la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Le climat de l'Afrique de l'Ouest a subi des changements attribuables au changement climatique, notamment une augmentation des températures avec une variabilité élevée dans les projections de changement potentiel dans les précipitations. Ces changements devraient avoir des impacts significatifs sur les services
écosystémiques tels que le stockage du carbone. La biodiversité et les aires protégées sont actuellement affectées par le changement climatique et certaines aires protégées sont plus vulnérables que d'autres à cet impact. Les espèces d'ouest africaines, y compris les amphibiens, oiseaux, poissons, d'eau douce, mammifères et reptiles, ont été identifiés comme étant vulnérables au changement climatique et les espèces menacées au niveau mondial devraient être considérées comme des priorités pour la conservation. Le changement climatique a déjà eu des impacts sur la distribution et la taille des populations d'espèces, voire des extinctions locales de populations. Cela peut entraîner une nécessité de reconsidérer les aires protégées, mais ces sites pourraient également devenir importants pour d'autres espèces ou écosystèmes ayant intérêt pour la conservation, ainsi jouer un rôle clé dans l'adaptation au changement climatique. Les amphibiens. Cette étude a évalué l'impact du changement climatique sur les amphibiens, a révélé que de 7, 10% et 25% des espèces d'amphibiens sont considérées comme vulnérables d'ici 2039, 2069 et 2099, respectivement. Les régions arides et semi-arides plus au nord sont les plus touchées d'ici à 2040-2069, tandis que les zones humides plus au sud sont plus touchées d'ici à 2070-2099. Selon seule une espèce, Ammetophrynus pereti, est considérée comme menacée au niveau mondial parmi les espèces plus vulnérables d'ici 2040-2069. Oiseaux. Selon des évaluations, les zones les plus touchées par les impacts du changement climatique d'ici à 2040-2069 seront la zone méridionale humide ainsi que la zone aride du nord, de la Mauritanie à l'ouest au Tchad à l'est, où jusqu'à 31% des espèces présentes ont été identifiées comme vulnérables. Sur les 13 espèces identifiées comme vulnérables au changement climatique d'ici 2040-2069, toutes sont menacées au niveau mondial. Les reptiles. 7%, 21% et 34% des espèces de reptiles seront vulnérables au changement climatique. Les régions désertiques et du Sahel de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad seront les plus touchées d'ici 2040-2069. Les poissons d'eau douce. Environ 19% et 39% et 60% des espèces de poissons d'eau douce seront considérés comme vulnérables au changement climatique pour les périodes de 2010, 2039, 2040, 2069, 2070, 2099, respectivement. Les mammifères, un nombre croissant d'espèces de mammifères seront vulnérables au changement climatique au cours des périodes de 2010, 2039, 2040, 2069 et 2070, 2099. D'accord, pour quelques mesures prises pour une adaptation aux conditions climatiques. Et dans le but de pouvoir régénérer la biodiversité et aussi la forêt, en quelque sorte, il y a plusieurs initiatives régionales et mondiales qui existent à cet effet. Il y a aussi le plan de convergence des forêts de la CEDEAO, il y a la convention d'Abidjan et ses protocoles, il y a le défi de Bonn, par lequel les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest se sont engagés à restaurer près de 15 millions d'hectares, de paysages forestiers dégradés à l'horizon 2020. Il y a la Convention de 1992 sur la biodiversité biologique, la Convention de 1981 sur la coopération en matière de protection et développement de l'environnement marin et côtier. Il y a la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage pour aider les pays à remplir leurs engagements internationaux tout en augmentant la durabilité sociale, économique et environnementale. L'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a mis sur pied le programme quinquennal sur la biodiversité et le changement climatique en Afrique de l'Ouest. Aussi, les aires protégées qui constituent également un outil très, très utile pour réduire les impacts du changement climatique, notamment en optimisant la séquestration et le stockage de carbone, en particulier en ne procédant pas à la déforestation et à la dégradation des forêts, qui constituent une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre, et en favorisant une adaptation basée
sur les écosystèmes et bénéfices des populations. En conclusion, on peut obtenir que la biodiversité se réfère à la variété des espèces vivantes sur Terre, allant des micro-organismes aux êtres humains. Cette variété est importante car elle permet aux organismes de se nourrir, se reproduire et survivre dans des conditions changeantes. Cependant, le changement climatique a un impact important sur la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Les températures les plus chaudes, les sécheresses plus fréquentes, les tempêtes plus violentes et l'élévation du niveau de la mer sont des facteurs qui affectent les habitats naturels des espèces et leur capacité à survivre. Donc, nous devons retenir que la Terre aussi appartient à tous ces êtres vivants-là. Merci. Merci beaucoup. Ça va répondre.